Bonjour, salam alaikum, Azul Flawen. C'est une joie, la joie dont Dieu, qui vient de Dieu et qui remplit nos cœurs, même si on ne saute pas, comme on dit, mais vraiment, nous avons la joie d'être auprès de vous. Même si c'est au travers des écrans de télévision, nous avons ce privilège et cette joie donc, de passer quelques instants auprès de vous, dans le salon, peut-être dans la salle à manger, mais en tout cas chez vous à la maison. Merci de ce que vous avez réservé ce temps et de ce que vous l'avez mis à part pour suivre ces programmes et ça nous réjouit, ça nous fait du bien. Alors aujourd'hui, nous parlerons, si Dieu le veut, de ce que nous appelons les valeurs morales chrétiennes. Alors, il y a quelque chose que nous voyons à la télévision, des choses que nous voyons dans le monde occidental. Alors, on pense que ces valeurs-là, je dirais, des choses que nous voyons, que nous n'acceptons pas finalement, on pense que c'est ça, les valeurs chrétiennes. Alors, j'espère que nous allons, avec l'aide de Dieu et l'aide de nos frères, Meki et Hassan, merci encore une fois pour votre aide, pour le temps que vous avez mis à part pour nous aider, pour nous éclairer. Bonjour. Bonjour. Et à Dalila aussi, merci pour le temps que tu as mis à part pour nous et de partager ces moments donc, de fraternité, des moments de foi et de moments de partage, non seulement avec les hommes, je veux dire les hommes et les femmes, mais aussi en présence de Dieu. Bonjour. Alors, nous allons, avant de commencer et de lire un passage dans la Bible, je vais exprimer une parole, donc une prière à Dieu, afin qu'il nous aide. Seigneur notre Dieu, merci pour le changement que tu opères chaque jour dans nos vies. Des fois, on ne le voit pas très rapidement, mais lorsque on s'arrête un moment et quand on considère le passage, le parcours que nous avons fait, on se rend compte que Dieu a fait de grandes choses dans nos vies. Et merci parce que si nous parlons aujourd'hui de ces valeurs morales chrétiennes, alors nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, que tu nous enseignes. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous donnes ce discernement, la connaissance nécessaire pour comprendre que les valeurs morales qui sont dans la Bible ne sont pas forcément les valeurs que nous voyons dans le monde. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela et que nous puissions aussi les expliquer à ceux et à celles, nos frères et nos sœurs et à nos amis qui nous regardent. Merci de le faire et de nous accorder donc cette grâce de comprendre et d'apprendre ce que tu nous enseignes. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je reviens sur juste un petit mot. C'est que très souvent, on pense au-delà donc, de la Méditerranée, en Afrique du Nord, et dans le monde, donc en Égypte, au Moyen-Orient, etc., on pense que le monde occidental est chrétien. Mmh. Alors que, me semble-t-il, le monde occidental est vraiment dans les ténèbres concernant la foi, concernant la vie avec Dieu. Et ce qu'on voit dans la rue, on pense très souvent que c'est à la télévision, dans les films, etc. Et on pense que c'est cela, la vie, les valeurs chrétiennes. Mais j'espère que ce n'est pas cela et que nous allons le voir. Alors, je demanderai à Dalila de nous lire un passage dans la Bible. Alors oui, je vais vous lire un passage, vous qui nous écoutez. Je vous exhorte à prendre votre parole, à prendre la parole de Dieu au mot, à prendre votre Bible. Aux 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 12. Parole de Dieu nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus » de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Merci. Alors, nous avons ici toute une liste de préceptes, d'enseignements qui nous permettent de bien gérer notre vie, qui est non seulement bien pour nous, mais qui est au service de la société et qui est au service donc à l'honneur de Dieu. Alors je vous donne donc la parole, des impressions avant de commencer en détail ce passage. Alors l'impression première, oui, semble-t-il, et certaines difficultés que rencontre cette communauté, qui doit éprouver une certaine difficulté à produire du bon fruit, à comprendre que la vie chrétienne est une question, on le voit bien, de relation, mais surtout que la vérité est une pratique qui est éminemment concrète. C'est-à-dire que c'est des choses que nous voyons. Ce ne sont pas simplement des choses que nous disons, mais c'est des choses que nous vivons, finalement. Oui. C'est-à-dire que le discours doit rejoindre la pratique. La pratique. D'où l'attitude et le comportement doit être vu. Et reconnu. Alors, si je vous donne quelques secondes de prendre un petit peu, de saisir les doigts et de dire, bon, il y a cela, de ces valeurs. Alors, quelles sont les valeurs qui sautent aux yeux, je dirais, et qui doivent être finalement bien présentes dans la vie d'un chrétien, dans la vie du croyant, dans la vie de celui qui veut servir Dieu? Le croyant doit comprendre une chose, c'est que Dieu sauve son âme, Dieu rachète son âme, mais aussi son corps. Souvent, nous avons tendance à dissocier dans l'œuvre du salut, l'âme et le corps. Or, il n'en est rien dans le Nouveau Testament. Le corps est le véhicule, je dirais, l'instrument par lequel et au travers duquel le péché va s'exprimer. Et dans ce texte, il est question d'abstinence et de consécration. Oui, ok. D'abstinence, s'abstenir, donc ne pas faire des choses, mais consécration. De consécration. Oui, qu'est-ce que c'est que la consécration ? C'est-à-dire de réorienter les motivations de son cœur, d'orienter sa pensée, d'orienter sa volonté vers le Dieu vivant. Pour avoir une pratique qui n'est pas indigne, qui ne dégrade pas l'enfant de Dieu, qui ne l'avilie pas, qui ne le défigure pas, qui ne l'aliène pas, mais une pratique qui rend gloire et qui fait justice au Seigneur. Mais qui ? Et donc, je vais me référer, moi, à un autre texte pour être plus concret, pour faire comprendre comment nous, en tant que chrétiens, nous devons nous comporter. Alors, par rapport à ce qui se passe un peu autour de nous, des gens qui vivent selon sans Dieu. Voilà.
et dans la nature humaine. Voilà ce qui se passe. Je trouve ce texte dans Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduites, impuretés, comme ça a été noté tout à l'heure, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Et le comportement que doit avoir un chrétien, en suivant ce même texte, mais plus loin, il est dit, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. À quoi nous sommes appelés. Merci. Alors, il y a quelques versets qui m'ont vraiment interpellé, qui ont vraiment attiré mon attention. Par exemple, au verset 7, où il est dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Sanctification, c'est, comme nous l'avons déjà dit, c'est mettre à part. Oui. Dieu nous a mis à part. Et donc, il y a une différence de vie, de comportement. Dans la mesure où je fais mien ce que la Bible me dit. Et l'impureté, quelle est, je dirais, comment se manifeste l'impureté? L'impureté, encore une fois, il y a effectivement toute la question du comportement, de l'attitude qui peut être observable depuis l'extérieur. Mais là, on parle d'identité chrétienne dans ce texte. Et le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit ne peut faire autre chose que de porter du fruit. Parce que c'est dans la nature même du disciple de porter du fruit. C'est-à-dire, il n'a pas d'autre choix, il n'a pas d'autre option. Il n'est pas appelé à régresser, à stagner, mais à progresser. Alors, par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux œuvres de la chair, par rapport même à ce texte, un chrétien qui se dit chrétien, parce que vous êtes d'accord qu'on peut se dire chrétien, porter l'étiquette de chrétien et ne pas m'en démontrer que nous le sommes réellement en ne portant pas des fruits dignes du Christ. Et dites-moi, que dirions-nous à ces chrétiens qui sont faibles dans la chair, qui n'arrivent pas à porter du fruit, qui ne se sanctifie pas ou qui ne se sentent pas sanctifiés? Alors, si tu me permets, je dirais à ces croyants, courage. Courage, courage, patience, patience, parce que le meilleur est devant vous. Et Dieu ne s'est pas trompé en vous choisissant. Cela n'existe pas. Simplement, il y a des points dans votre vie, il y a des portes qui sont ouvertes et que l'adversaire instrumentalise, que l'adversaire manipule et joue sur les ressorts d'expériences, d'événements traumatiques, les forteresses. Paul dit, nous renversons les forteresses. Ce n'est pas à Dieu de renverser les forteresses. Dieu l'a déjà fait. Mais c'est à nous à renverser les forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire vivre avec la vraie lumière, avec la lumière des Écritures et non pas avec une lumière diabolique. Bien, quelque part, Paul a dit, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu voit ce qui est en nous. Même si les hommes ne voient pas en nous, Dieu le voit. Alors, il y a un verset ici aussi, parce que je voudrais me centrer sur ces caractéristiques morales d'un chrétien, d'une chrétienne, donc d'un enfant de Dieu et d'une enfant de Dieu dans la société. Hein? Parce que des fois, on regarde deux personnes, on voit la différence. Hein? On voit la différence. Alors, il y a un verset ici qui dit qu'on ne doit pas user de fraude envers son frère. Bien sûr, c'est des choses, je dirais, ne pas faire, etc. Mais comment l'expliquer aux frères, dans l'Église, autour de nous?
De toute façon, nous partons avec cette base que Christ nous a choisi. Hein, Jésus dit lui-même, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc lorsque Christ nous a touchés et que nous avons répondu à son appel, alors on devient, à partir de là, disciple de Jésus-Christ. Ensuite, nous voyons ce qu'il nous recommande de marcher comme il a lui-même marché. Avec l'aide de Dieu, nous essayons d'être, comme il est dit, saints. Alors, cette sainteté ou le fait d'être appelé saint nous responsabilise dans le fait de plaire à Dieu. Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on veut lui déplaire ou pas ? On ne voudrait pas lui déplaire. Alors, on sait que nous sommes dans la grâce de Dieu, que Dieu nous pardonne de nos péchés en Jésus-Christ, dans la mesure où nous nous sommes repentis. Mais cela ne veut pas dire que je vais faire exprès de pécher, sachant que Dieu me pardonne. Je vais tout faire pour dire j'aime mon Dieu et je veux marcher comme il a marché, donc avec l'aide de Dieu. Mais c'est important justement de savoir que de toute façon, il est impossible dans la tête, parce qu'on est sous nouveau régime, hein, et aussi régénéré intérieurement, renouvelé, que l'on va faire exprès de pécher. C'est quand on est sanctifié du cœur, je ne vais pas faire exprès. Mais si je tombe, ce n'est pas parce que j'ai fait exprès. Alors, au verset 11, il dit donc « Mais, ne vous exhortant, frère, à progresser encore dans la vie avec Dieu, hein, dans la vie donc, de plaire à Dieu, et qui nous dit à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires. » Dans l'Église, je crois que... Ça peut être aussi une aide dans le sens de ne pas imposer ou à obliger l'autre à... Par exemple, les hommes religieux, il y a des hommes religieux qui imposent à l'autre, il faut que tu fasses. Un jour, quelqu'un m'a dit, pourquoi ne fais-tu pas ça ? Pour expliquer, c'est pourquoi tu ne fais pas le ramadan ? Bien sûr, sachant que j'étais chrétien, il devait le savoir que je suis libre. Mais je lui ai juste dit, est-ce que c'est toi qui passeras à ma place devant Dieu pour ma façon de vivre ? Donc, c'est appeler l'autre à se responsabiliser personnellement devant Dieu et à ne pas imposer à l'autre sa loi, même si c'est recommandé par la parole de Dieu. D'accord. Je voudrais justement poursuivre dans cette idée. À mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Donc c'est une recommandation de l'apôtre à ses disciples. Alors on peut supposer qu'il y avait un petit problème au niveau du fait que ces personnes n'avaient pas complètement compris l'évangile et qu'elles se mettaient à ne plus donc travailler ou à s'occuper des affaires d'autrui, voire des affaires de leurs propres frères. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que l'évangile n'est pas du tout dans ce sens, qu'au contraire, l'évangile nous appelle à aujourd'hui, je parle à titre d'exemple, fonder des entreprises, à être des leaders, à s'occuper de ce que Dieu nous demande, à chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un peu plus à ce sujet ? Et surtout pour les jeunes adolescents ou les jeunes adultes qui nous écoutent. Je vais te laisser la parole. Merci, Vicky. Oui, donc il est question de travail, il est question de vivre en paix. Le travail est un don de Dieu. Dieu a institué le travail avant même la chute. Certains chrétiens pensent que le travail est une conséquence de la chute. Or, il n'en est rien. Il a été donné mandat à Adam de cultiver le sol, de le faire fructifier. Dieu travaille aussi. Voilà. Et Dieu travaille, ouais. Absolument.
Le travail ponctue et structure. Il ponctue le temps et structure notre espace également. Donc il est fondamental. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dira dans l'un des passages du Nouveau Testament, quiconque ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Qu'il ne mange pas. Alors en effet, les relations dans une communauté sont des relations exigeantes. Et parfois, on peut glisser d'une relation fraternelle à une relation familière, n'est-ce pas ? Où on s'immiscera, on se mêlera des affaires d'autrui, d'une famille, d'un couple. D'ailleurs, pas plus tard que lundi, j'ai dû, dans le cadre de la communauté où je suis pasteur, j'ai dû intervenir énergiquement puisqu'il était question, à l'intérieur d'un groupe de maisons, de s'immiscer dans une situation conjugale et familiale. Donc j'ai dû mettre le haut là en leur disant qu'ils n'avaient pas le mandat de le faire et que moi-même en tant que pasteur, je m'interdisais de rentrer dans les affaires privées des gens si je n'y étais pas invité. Bien, merci pour cet exemple concret de la situation, parce qu'il me semble que se mêler des affaires des autres, hein, donc c'est un problème. Parce qu'on voit cela dans nos vies, peut-être que nous-mêmes, nous nous sommes mêlés dans des affaires qui n'étaient pas les nôtres. Et alors, concrètement, dans l'Église, je regarde Meki, est-ce qu'il y a eu des témoignages, donc des situations qui n'étaient pas, qui se sont passées, hein, donc dans l'Église, et qui finalement, oui, finalement, quelqu'un a mis clair, encore plus de comment dit, de l'huile sur le feu en se mêlant dans la Alors, situation. Comme on a une ligne de conduite en fonction de ce que la parole de Dieu nous enseigne, dans l'Église, il est clair que nous devons y veiller. Y veiller, en fait, pour que tout le monde vive en paix et ne pas être troublé, choqué par l'un ou par l'autre. Donc, il se peut que quelqu'un, cela est déjà arrivé, des personnes mal intentionnées venant dans l'Église, avoir le désir, comme par exemple séduire une fille ou séduire un garçon, pour bien que nous n'avons pas à nous immiscer, nous aidons et encourageons ces personnes à avoir une autre attitude. Comme j'ai connu quelqu'un qui avait ce désir d'aller avec une, et après, ne fonctionnant pas bien, voulant aller avec une autre. Alors là, bien sûr, là, on y veille, comme on dit, au grain, à cause du comportement et du témoignage de Christ. Et donc, nous aidons la personne à se repentir et à marcher droit, mais sans la brimer, comme on pourrait peut-être le faire en imposant ou en la chassant. On doit faire très attention. Nous avons parlé dans certaines émissions du rôle et de la responsabilité du croyant dans la société. Lorsqu'on voit ces choses, donc, il faut que d'abord, me semble-t-il, que la personne ait subi, en quelque sorte, positivement, un changement pour pouvoir réaliser ces choses dans sa vie et au travers de sa vie. Je dis souvent à des personnes ou dans les conseils que je donne, mieux vaut ne pas dire que je suis chrétien si vous savez que dans le travail, vous ne rendez pas le témoignage qu'il faut de Christ. Ouais. Ouais. On reconnaît l'arbre à ses fruits. En effet. Ouais. On reconnaît, oui, c'est vrai, on reconnaît l'arbre à son fruit. Ouais, ouais. Que ce soit dit, que ce ne soit pas dit. Les figues, les tibercicines, hein, quand l'arbre est planté à côté de l'eau, hein, il y a trop d'eau, alors le fruit, hein, les figues, les tibercicines, elles sont mauvaises. Oui. Et puis, en général, on enlève l'arbre. Oui. Enfin, ce n'est pas le cas, je dirais, que Dieu ait compassion envers nous. Pour ne pas. Oui. Alors, ce que je voudrais faire vraiment ressortir de ce passage, c'est non seulement ce que nous disons, non seulement ce que, je dirais, nous pensons, mais c'est surtout l'effet que notre comportement, notre vie, reflète ce que nous avons à l'intérieur. C'est-à-dire que si nous avons
Dieu dans nos vies, nous devons, je crois, agir comme les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et si nous n'avons pas le Seigneur dans nos vies, nous l'avons dans nos vies, mais il n'est pas libre d'agir. Alors, parce que je reviens au verset 11, là où il est dit, occupez-vous de vos propres affaires et travaillez avec vos mains. Quelque part, Paul a dit que c'est le désordre, c'est le chaos, là où il n'y a pas de travail. Hassan, tu disais que le travail était avant la chute, c'est Dieu qui a donné. Le travail est une bénédiction. Est une bénédiction, oui. Est-ce qu'on peut parler justement de cet effet du travail? Je crois que tout le monde le sait, mais surtout... On peut surtout parler des dégâts que procure le non-emploi et le chômage dans la vie d'une personne. L'oisiveté. Ouais. L'oisiveté, oui. Mm. Est-ce qu'il y a des exemples bibliques ou dans la communauté que... Mais là, de toute évidence, c'est un... La situation de ces Thessaloniciens, semble-t-il, est d'avoir abandonné toute considération liée à la vie civile au profit et à tort, sans doute d'une seconde venue du Seigneur, en disant le Seigneur revient, donc arrêtons toute activité, arrêtons toute vie simple, la routine. Il faut bien comprendre que la vie de l'esprit, et je pèse mes mots, mais la vie de l'esprit, quand on la saisit bien, c'est la routine. C'est comment vivre le caractère de Jésus dans notre train-train quotidien. Ouais. Et la vie de l'esprit, ce n'est pas d'attendre le grand événement, ce n'est pas d'attendre des situations exceptionnelles, mais c'est comment je vais inscrire le comportement du croyant, cette vie de l'esprit, dans mon métro, boulot, dodo. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Bien, merci pour ces paroles. Nous sommes encore une fois à la fin de temps qui nous est donné. Alors, je vous remercie d'avoir vraiment participé, d'avoir donné ces explications et particulièrement de parler avec la chaleur du cœur et de voir, de nous avoir donc donné des exemples bien concrets. Merci aussi Dalila, parce que tu as participé aussi. Et à vous qui nous regardez, vous avez participé aussi, parce que si vous ne regardez pas la télévision, si vous ne regardez pas ces émissions, nous n'aurons pas besoin de les faire. Mais c'est parce que nous croyons que nous voulons vous enrichir, et nous croyons que vous nous enrichissez, parce que rien qu'à nous écouter, rien qu'à nous prêter attention, c'est quelque chose de formidable. Merci pour votre temps, et nous vous remettons à la grâce de Dieu. Pour toute correspondance, il y a des numéros et des emails. Alors, à la prochaine, et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous.